Hey yo! C'est Léa avec un H et je vous présente the one and the only, the woman that gave my life here in this earth, Dito, qui m'a donné la vie, maman! Wow! Comment tu t'appelles? Dita Elisa. Elisa avec un Z. Z. Et Léa avec un H. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas maman, bah, c'est ma maman. On commence bien. Donc, c'est pas la première fois qu'on fait une vidéo ensemble. On en a fait quelques-unes avant. Donc, vous pouvez les voir sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner sur Instagram et de vous abonner aussi sur YouTube. On est plus de 5000. On est plus de 5000 enfants. Thank you. Merci beaucoup. Merci, salama. Donc, dans cette vidéo, maman, on va faire en fait un challenge que j'ai fait avec papa. How do I know? How Filipino is my French dad? Ok. Donc toi on va pas faire ça parce que toi t'es Filipino 100%. Toi on va faire how French is my Filipino mama? Je vais lui poser donc plusieurs questions. Pas des questions difficiles. So for the Filipino or English speaker viewers, this video will be mainly in French because we are going to test how French is my Filipino mama, but don't worry, I will put the subtitles right below in English so that you can understand and maybe you can also learn some French, deba. Yeah. Kasi mama, she learned how to speak French, so if you are trying to learn French, see, it's not impossible, right? Yes. Est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Cognare, comme si oui, je suis prête. Quand est-ce que tu es venue en France? Attendez, je me rappelle plus. T'avais quel âge? 1990. Yes. Oui. Et c'était quoi tes premières impressions en France? Et t'es arrivée où en France? J'ai arrivé directement à Paris. Je veux tout de suite la Tour Eiffel. Ah, le soir en plus. C'est vrai, elle brillait. Elle brillait. Waouh. C'est magnifique. C'est vrai, t'étais contente? Je suis très contente. Ouais. Oh. Est-ce que tu savais déjà parler français quand t'es arrivée à Paris? Non, pas du tout. Ah ouais? Comment t'as fait pour communiquer? Bah d'abord, je parle en anglais. Ouais. Après, j'ai essayé d'écouter qu'est-ce qu'elle a dit. Ok. Et petit à petit, j'ai pris le mot, par exemple, le baguette. Ah oui, bah oui, hein, la baguette. Ouais. Hein. Ça, c'est le premier mot que tu as appris. Oui. Et une baguette. Merci, bien sûr. Ah, merci. Et bonjour. 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 Bonsoir. Bon appétit. Ah ouais, les petits mots comme ça de tous les jours. Oui. D'accord. Il y a quelque chose qu'elle adore en français. Pâtisserie. Voilà, donc je vais te montrer 10 photos de pâtisserie française. Il faut que tu devines le nom de la pâtisserie. Ouh, ça c'est Bresse. Oui, mais il y a deux mots, il y a deux villes. Bresse à Paris. C'est le Paris à Bresse. C'est Paris-Brest. Paris-Brest. Yes. Et tu sais pourquoi ça s'appelle Paris-Brest? Le Paris-Brest, c'est rond. C'est comme un donut. Et en fait, il y a eu le Tour de France. Et donc, Paris-Brest, en fait, c'est un écho pour une piste cyclable pour le vélo. Donc, ils ont fait comme les roues. Et on est allé à Brest. On y était. On y était. Et qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé de... Paris-Brest. Voilà, à chaque fois qu'on cherchait Paris-Brest dans Brest, ils nous disaient d'aller à Paris. C'est plein de layers là. Ouais, c'est des foils. Oui, c'est vrai. Foil de. Voilà. Comment on dit thousand? Ah, foil mille. C'est le contraire. Mille foils. Ouais! C'est bien. Ah, c'est difficile. Hein. Ça, c'est. Lolo, lolo, lolo.
pas du théâtre, c'est pas de la danse. Opéra. Voilà, c'est l'opéra. Ok, ça c'est quoi? Ça c'est gâteau. Oui, mais c'est quoi? C'est quoi comme gâteau? C'est un... Gâteau, fraise. Oui, on l'appelle un... C'est quoi le fruit? Fraise. Ok, donc c'est un frais... Un frais gâteau. Un frais... Un fraisier. Oh. Ça c'est... Ah ça tu connais hein, tu me demandes tous les dimanches d'aller en acheter. Ça c'est... Pan Thunder. Non, non, attends, je suis rappelée, c'est bien. Ah bah, d'accord, excuse-moi. Thunder, Stroke of Genius. Hello, maman. Oui, mais j'aime bien ça. Bah oui, elle aime bien. On en a ramené aux Philippines des petits, des géants. Oui. J'achète la Ranlag et tout parce qu'ils ont les meilleurs. Attends. Pour Anna? Non. T'as 5 secondes, t'as 10 secondes. Ah, attends. Un éclair. Ah oui. Voilà. Elle a oublié. Parce que quoi? J'ai pas concentré. Parce qu'elle a faim. Parce qu'elle a faim. Et ça c'est parce qu'elle a vu ça. Elle a envie de manger. C'est pour ça que je me rappelle. Voilà. J'ai envie de manger. Elle a vu toutes les pâtisseries. Elle a envie de manger. En plus, c'est mon favori éclair. Et là, j'ai oublié tellement j'ai faim. Ok, et ça oh c'est là quoi là, encore. Encore. Ça c'est tarte pomme. Oui, et c'est... Oh, j'adore. Ouais. Ça c'est des... C'est un sainte. C'est Saint... Saint Honored. Saint Honoré. Oui, c'est ça. Ça c'est un dessert que papa commande parfois. C'est avec... des gâteaux citron. Non. Ah, ça ressemble, mais non, c'est pas Tarteau ça. De citron. Non, c'est avec de l'alcool. Comment on dit? Oui. Banane? Ah non, les crêpes flambées, non. Comment on dit papa en arabe? Baba. Barbarum. Non. Barba. Baba. Babaroum. Babaroum. Baba. Taas. Baba au rhum. Ah, baba au rhum. Voilà, on dit gâteau au chocolat. Tarte aux pommes. Baba au rhum. Et ça, c'est quoi? C'est ce que tu as dit juste avant. Tarte de citron. Oui, tarte au citron. Et c'est quoi dessus là? C'est ce que tu as essayé de faire la dernière fois. Mais Indéna, ça n'a pas pris. C'est devenu tout. Meringue. Ouais, meringue. Tarte au citron meringue. Oula, ça c'est plus dur. Je connaissais pas. Non, mais je connais pas ça. Ça c'est... J'ai jamais mangé ça. Tu veux manger ça? Ah oui. C'est pas bon. Hein. C'est... Ça a l'air bon. Un mocha. Ah, c'est le mocha. Ouais, on n'a jamais goûté. Bon, bah voilà, ajouté. Bon, maman, bouge pas parce que j'ai compris le message. Bouge pas. Voilà! Je t'ai rendu. Oh. Alors, montre ce que c'est. Attends, qu'il reste. Ça, c'est quoi? Comment on appelle ça? Une bûche. Une bûche. T'avais faim, hein? Goûte comme c'est moi. Hein? Fruit de la avec passion. Les yeux de coucou. Ouais. Bon, maman, tiens, tu fais de la baguette. On mange souvent la baguette avec du... De fromage. Voilà, donc est-ce que tu peux me citer 3 fromages français? Qu'est-ce qu'on mange là tout le temps? Il n'y en a plus à chaque fois. Camembert. Camembert, ouais. Il y en a un qui sent mauvais. Mais que Eya, elle aime trop. Fromage bleu. Ouais. C'est le seul fromage que j'aime bien. Il n'est pas trop fort. Je te dis la réponse? Non. Bah, on va jamais finir, hein. Bah si. Alors,
Il y a un roi, une reine, un duc, une duchesse, une comtesse, un... Comté. Voilà. Comté pour elle. Wow, t'as vu tout ce que j'ai fait pour te faire deviner. Ok, donc est-ce que tu peux me donner le nom de 5 plats français? Bourguignon. Ouais. Steak. Lequel là? Que tu commandes tout le temps à point. Entrecôte. Ouais, entrecôte frites. Non, le pot de... C'est la soupe... Pot au feu? Pot au pou. Ok. Qu'est-ce qu'on a mangé à Noël? Le fruit de mer. Plateau de fruits de mer avec des... Avec les crevettes, les dessuites, Saint-Jacques, escargot. Yes. Maintenant, on va aller dans le showbiz, le entertainment français. Le d'accord? Donne-moi. Non. Elle m'envoie le regard que TMC. 24 heures. Et puis le film. 3 noms de célébrités françaises. Acteur, actrice, chanteur, chanteuse. Saint-Bourgogne. Hein? Si. Ah, je sais. Gans. Gansbourg. Ouais. Boum. Johnny Holiday. Yeah! C'est quoi sa chanson? Allumez le feu. Voilà, allumez le feu. Et troisième, une femme peut-être? Brigitte. Ouais. Brigitte. Monroe. Monroe. Tu es pas Macron, non? Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Voilà. La France, elle est très connue pour sa richesse culturelle, dont la littérature. Est-ce que tu peux me donner 3 noms de grands écrivains français? Je vais t'aider. Alors, maman, elle lit pas du tout. Elle lit pas. J'aime pas l'histoire. Bon, voilà. Au moins, ça, c'est clair. Même aux Philippines, hein, j'aime pas. Bon, moi, elle est honnête, hein. Elle est honnête, ouais, hein. Elle est pas fake. Le nom du quartier, là, où il y a la fontaine. Victor Hugo. C'est ça, dans 16e. Ensuite, là où je suis allée à l'école. Molière. Voilà, Molière. C'est un poète. Par exemple, le corbeau et le renard. Et les fables de la... Les fables de la... Le miel. Non, de là. Avec de l'eau. Fontaine. 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 Isabelle. De la Fontaine. Ouais, Jean de la Fontaine. Jean ok, la c'est bien. Fontaine. T'aimes pas l'histoire, mais je vais te poser une question. Hein. Politique. Ah, la politique. Allez, c'est facile. Cite 3 noms de présidents français. Bah déjà, notre président Macron. Ouais, c'est quoi son prénom? Monsieur le Président. Hein? Emmanuel. Emmanuel, je sais. Ok, ok. Et 2 autres, vite, vite. C'est Jacques Serra. Ouais. Et 3e. Charles de Gaulle. Très bien. Et du coup, c'est quoi le slogan de la France? Il y a 3 mots. Fraternité. Égalité et liberté. Ouais. Ensuite, tout à l'heure, tu m'as parlé d'un monument de Paris, la Tour Eiffel. Est-ce que tu peux m'en citer 2 autres? Bastille. Ouais, la place de la Bastille. La place de la Bastille et Champs-Élysées. Oui, et il y a quoi au rond-point? Arc de Triomphe. Yes. Correct. Et ensuite, on a voyagé en France quand même. Est-ce que tu peux me donner le nom de 3 villes françaises? Montpellier. Montpellier. Et... Deauville. Deauville. Qu'est-ce que t'aimes bien à Deauville? J'aime bien la mer. Ouais, la mer. Et... La mer, c'est tout. Ouais, d'accord. Et c'est là où il vient d'où, papa? À Grenoble. Ouais, Grenoble. Bon, bah pour finir, c'est quoi le sport préféré des Français? Football. Ouais. Donne-moi le nom de 3 footballeurs français. Allez, tu connais, maman. Poutine.
Ouais, petit. C'est lui le premier qui vient. Un autre là, qui nous représente. Les hommes. Bien petit. Oui, d'accord. Je sais qu'il est bien petit. Un autre que papa aime bien. C'est Zidane. Oui, Zidane. Zidane, pardon. Zidane. Alors là, maman. Là, maman, tu peux pas. C'est represent Filipino. C'est un footballeur français dans l'équipe de France. Ah, d'accord. Arenas. Ariola. Voilà. Et c'est quoi son prénom? Ariola. La Godka, maman. Il a le même prénom que Capone. Alphonse. C'est bien, maman. Waouh, maman, je suis proud. Je suis fière de toi. Hein. Oui. C'est bien. Donc là, on a fini le jeu. Oh, Champs-Élysées. Ok, if you enjoyed, si ça vous a plu, laissez un pouce en l'air, partagez à votre entourage. Si vous êtes fière de maman ou quoi, donnez-lui des mots d'encouragement en commentant ci-dessous. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, subscribe on the channel et d'activer le ring pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay, bye.